Et salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures, ou pour, plus exactement pour le deuxième épisode de nos aventures dans Carry On. Et on est donc parti de retour, on va retrouver notre pote, le flan à la vanille radioactif, pour... je sais pas ce que c'est que ce truc, donc on va l'appeler comme ça, pour continuer notre aventure, ma foi. Et je ne me souviens plus du tout où on était censé aller. Donc ce que je vous propose, c'est que on continue notre exploration. De toute façon, ça a vraiment l'air d'être un jeu très exploration à la Metroid. Ah si, voilà, je me souviens. Voilà, on avait découvert que là en bas il y avait l'espèce de machin qui nous permettait de nous couper en morceaux. Donc on va continuer, j'imagine que la suite du chemin elle est par là. Et du coup on va continuer. Allez hop, oh la vache. J'étais un peu trop gros pour le chemin. Ah bah voilà, il y a nos potes là. Par contre eux maintenant on sait qu'il faut s'en méfier. Oui mais oui, surtout que j'ai pas mes attaques là. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. Je voulais leur balancer le truc à la figure, mais ça sert à rien en fait vu qu'il y a une porte. Ah, et je pense que c'est comme ça qu'on peut passer en fait. On va aller là-dedans. Je pense que si on se découpe en morceaux, voilà, comme ça je peux passer par là, et voilà, je peux les tuer par en dessous. Ah ouais, c'est efficace en plus. Boum! Voilà. Ah mais ils sont pas morts du tout en fait. Ah mais ça les tue pas, t'es sérieux? Mais ça sert à que dalle alors. Attendez, ça sert à rien alors. Attendez, comment je récupère ça déjà comme ça? Non. Attendez quoi? Comment je récupère ça? Et, ah voilà. Allez hop, on y croit, voilà. Du coup ça sert à rien alors. Attendez, mais comment on va faire là? Je peux passer par en dessus peut-être. Ah mais voilà, je peux juste bêtement passer par en dessus. Voilà, puis là maintenant je peux les fumer. Ou pas. Vite. Voilà, comme ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut exploser les portes aussi maintenant, donc là. C'est bon, il est mort, là. Ouais, ils sont coriaces, ces mecs. Bon, en plus, ils lui redonnent pas de vie, ceux-là, on le sait. D'accord, ouais, donc en fait, je peux traverser les portes aussi. Enfin, les traverser, oui, les exploser, surtout. Mais j'ai vu qu'il y avait une porte, vous inquiétez pas. Ah bah, la sortie, elle est là. Bah, attendez, du coup... Ah, merde. Faut que je refasse tout le tour. Ah, c'est bon, ça devrait être rapide. Oui, c'était par là. Oui, il faut ruser avec ces mecs-là, on peut pas les attaquer de face, sauf en défonçant la porte comme ça. Donc en fait, je pense que c'était la meilleure technique à faire. On s'en souviendra pour la prochaine fois. Unité de confinement numéro 1. Ah bah voilà, un autre... voilà, un autre pouvoir. On a bien fait de venir ici. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Boum! Allez, qu'est-ce qu'on va débloquer cette fois? Éco-localisation, localiser les cadavres comestibles. Ok. Ah d'accord, c'est quand... d'accord, ça a upgradé mon cri en fait. Maintenant je peux... d'accord, je peux savoir où... Ok, bah pourquoi pas. Et vu que c'était écrit 1 sur 9, je pense que ça doit être des upgrades... pas obligatoires, ça doit être des trucs... ça doit être des upgrades... secondaire. Décharge militaire, toujours 50%? Ah non, attendez. Ah non, ouais, voilà, ah, voilà, 100% la décharge militaire, voilà. Donc là, on a tout fini à 100%, parfait. Attendez, est-ce que je peux... Non, si, voilà, comme ça. Ah non, mais je peux pas passer là-dessous, donc là, y a rien à faire. Bah du coup, écoutez les amis, on va monter par là. Je vous ai laissé le son vachement fort dans la dernière vidéo, c'était fait exprès, hein, si vous vous posiez la question, parce que l'ambiance sonore, j'ai trouvé vraiment génial. Je sais pas comment je vais faire pour cette vidéo, je vais peut-être baisser un peu quand même, mais... mais l'ambiance sonore, elle est tellement cool que je voulais vraiment la laisser autant que possible pour que vous puissiez vous faire une idée. Quoi ce truc? Je peux jouer avec ou pas? Boum! Non. Ah si, attendez, ça a bougé. D'accord, donc je pense qu'on devrait pouvoir y bouger plus tard. Là il y a un truc à désactiver.
Relitech Science. Leviathan Reef Base. Ok. Donc là... Ah, bah tiens, il y a un panneau électrique là. Ah, on peut rien faire avec. Ah zut. Je pensais qu'on allait pouvoir... Ah, donc ça c'est un endroit pour se couper en morceaux. Oula, des lasers maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Attends, j'ai touché le laser, ça m'a pas infligé de dégâts. Ok. Ah non, d'accord, ok, ça a fermé la porte en fait. Mais voilà, ça ferme la porte quand. Ok. Alors du coup, à quoi ça sert de... Attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, mais on peut plus revenir en arrière, c'est vrai. Ce contexte est protégé par un système défensif de... Ah, de drone automatisé, d'accord. Va falloir faire gaffe. Oula, c'est quoi ça? Ah, mais merde, bah les voilà les drones automatisés. Non! Oh la vache, en plus ils tirent des roquettes ces machins. Enfin, j'en sais rien, vu le bruit que ça faisait. Oula, il a l'air vénère le machin. Oh là là, mais c'est quoi ça? Là! Ah, ok, d'accord. Donc, ok, donc ces machins, on peut les péter simplement en les. Enfin, simplement. En les attrapant, puis en les jetant contre le mur. Restez calme et continuez, oui, bah t'inquiète pas. Hein. Il y a un truc à faire ici, mais je comprends pas quoi. C'est-à-dire que même si je me découpe en morceaux, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter. Parce qu'avec le match, on est d'accord que... Parce que le machin de l'araignée, la toile que je lance, ça me servira pas à rentrer là-dedans, donc... À mon avis, on peut rien faire ici encore pour l'instant. Faudra se souvenir qu'il y a ce truc. Attendez, il y a un chemin là-haut. Il y a aussi un chemin en bas. Oula. D'accord, donc là, il y a deux chemins aussi. D'accord, donc en fait, il y a vraiment des chemins partout. Donc là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire. Essayons de rentrer là-dedans. Ah, c'est une de... Ah, d'accord, donc c'est de nouveau une de ces... On en avait vu une la dernière fois. Une de ces portes bizarres. J'ai toujours pas compris si ça nous faisait... Si en fait on prenait le contrôle d'un humain ou alors si c'est censé être des souvenirs, des flashbacks ou alors c'est quelque chose qui se passe en parallèle et puis qu'on les voit, je ne sais pas. D'accord, bah écoutez, allons-y. En train de se balader dans les canalisations toujours avec nos potes. Oula, c'est un alien ça ou hein? Pas tout, c'est vrai qu'on a aucune idée de ce qu'on fait là pour l'instant. On ne sait pas qui on joue, ce que c'est que cette espèce de monstre, ni où on est. Alors est-ce que ce type, ce serait notre créateur, ou alors la personne qui nous a libérés, ou je ne sais pas. Ok. On n'est pas encore passé ici... Avec le blob, bah ils me suivent les autres ou Je crois qu'ils mettent 2 heures à nous suivre. Vous m'excuserez, je les suis pas, mais c'est... Ah bah voilà, ils arrivent. Je les attends pas, mais bon. Oula, examinez quoi. Il manque une barre au levier. Pas sûr que sauter là ce soit une bonne idée. Il manque une barre au levier. Je pense que je vais pouvoir ouvrir cette porte. Ça va être un puzzle, il faut que je trouve ce qui permette de servir de barre et puis Donc marche arrière toute. On peut interagir avec rien, j'ai l'impression. Est-ce que je peux descendre là? Oui, je peux. Ah mais là on est coincé. C'est bizarre quand même, c'est de là d'où on vient et les autres ne me suivent plus. Les cristaux radioactifs, là non, je peux pas les prendre.
Alors, vous avez pas commencé à nous mettre des énigmes dans Metroid, hein, parce que vous vous en souvenez ce que ça donnait. Ça reste immobile. Bah oui, bon, bah écoutez, on va essayer de descendre. Ça me semble un peu risqué quand même. Ah non, d'accord, ok. Donc, on n'a pas de dégâts de chute. Bah, tant mieux. Voilà, on vous en souviendrez des énigmes dans Super Metroid. Hein. La fameuse énigme du tube, n'est-ce pas? Ah non, mais alors celle-ci. Oula. Oula. Oui, ça va, d'accord. Pas de problème, on peut se jeter dans les précipices. Ah bah, bah voilà la barre de levier, je sais pas ce qu'elle fout là, mais. Ouais, parfait. Ah, attendez, y a un truc à examiner là. Dépouille calcifiée d'une entité cyclopéenne d'origine inconnue. Et comment ça d'origine inconnue? C'est pas vous qui l'avez construit la base là? Alors peut-être qu'on se balade dans une base, mais qui est. Qui est abandonnée ou. Bah non, mais non, parce qu'on a vu plein de scientifiques. Qu'on est en train de bouffer. Donc, ou alors, soit ça se passe avant, ou alors ça se passe après. C'est-à-dire que c'est pas un flashback, du coup, c'est un flash forward. C'est-à-dire que c'est peut-être des mecs qui viennent enquêter sur ce qui s'est passé. Ce qui serait bizarre quand même, vu que je doute qu'on puisse voir le futur, mais pourquoi pas. Alors, de toute façon, je pense qu'on comprendra bien à un moment donné. Hop, voilà. Allez, on continue notre enquête. C'est marrant quand même ces petits passages. Oula! Ces petits passages, ça change. Collecter des échantillons. Ah. Ah, et faire ça, ça a ouvert la porte. Le problème, c'est qu'on en a on fait encore une en haut de porte, je crois, allez voir. Oui, voilà, il y a un chemin là-haut et il y a un chemin là-bas dans l'eau. Donc attendez, on va déjà voir ce qu'il y a là-haut. Rien du tout, parfait, ça ne servait à rien. Bon, bah voilà, comme ça au moins on est fixé. Donc descendons. Ah non, j'allais dire on est coincé, mais non, non, hop. Jardin botanique. Tiens. Je sais pas pour ça, pourquoi, mais dans cette ambiance, ça me fait penser un peu les jardins qu'on avait dans Bioshock, si vous en souvenez. C'était une zone assez sympa. J'ai aucune idée où est-ce que je suis censé aller. Donc là en bas c'est fermé. En haut à droite ça ne sert à rien, donc il reste encore le chemin ici. Ah d'accord, ok. Je crois qu'il y avait une flaque d'eau. Voilà, là on peut se couper en deux, là, ouais, voilà, ouais. Hop. On est tout petit maintenant. Voilà, et du coup là. On essaie de prendre le civil en même temps. On peut pas. Ah merde, par contre on peut pas aller récupérer notre. Super. D'accord, ça veut dire qu'on peut pas aller récupérer notre deuxième morceau. J'entends des cris, mais... Ah bah là. Voilà. Attendez, j'ai besoin de vie là. Allez, ouais, merci. Alors attendez, il y a une porte là, une porte en bas. Il y a des portes partout, c'est... Ah bah tiens, bah ah là, d'accord. Ouais, ah, j'allais dire, le mec ça... Ah, et puis c'est noyé en plus. Ah, épique. Le mec il s'est jeté dans l'eau et puis s'est noyé. D'accord. Bon, il s'est noyé vachement vite, mais d'accord. Donc il a préféré se noyer que de se faire bouffer vivant. Vous allez me dire, c'est un choix. Ah, mais oui, mais je suis bête. C'est en bouffant les gens qu'on récupère de la. Bah oui, donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait tous ces gens là qu'on pouvait tuer facilement. On va aller bouffer le mec là en bas aussi, histoire de récupérer toute notre vie. Allez hop. Pique-nique. Voilà, merci. Donc là maintenant je vais pouvoir péter cette porte. Parce qu'on peut pas de touche, voilà, hop. Ah. Oula, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas un point de sauvegarde pourtant, mais... Peut-être un nouveau truc? Ah non. Ah non, voilà, jardin botanique. Bon, ouais, parfait. On a pu rentrer. Oula, ça c'est un drone, ça. Ça aussi, c'est un drone.
c'est bon, on peut passer. Alors le laser, je pense pas que... Attention, scanner laser en cours d'utilisation. Ne pas regarder le faisceau à l'œil nu. Oui, ça me semble un peu logique, mais... Ils sont pas activés encore les drones pour l'instant. Ouais, sauf que quand ils seront activés, ça va être la merde parce qu'il y en a 4. Hein. Et j'ai toutes les peines du monde à en battre un tout à l'heure, donc. On va pas le choix. Allez hop, voilà. Ah ouais, je pense que je vais réalimenter la pièce, du coup ça va ouvrir la porte. Mais ça va aussi alimenter les drones. J'ai entendu un cri, ah oui là-bas en bas. Boum! Il m'a eu le petit trou de balle, il a réussi à me tirer dessus, je sais même pas comment. Hop! Ah bah voilà, ok, donc là j'ai rouvert la porte. En fait c'est presque limite vraiment plus un jeu d'exploration. Non attends, je peux pas passer par là. Ah non, mais si là. Ah non, par contre les drones sont pas activés encore, bah continuons. En fait c'est plus un jeu d'exploration et de puzzle limite. Je m'attendais pas à ça mais... La direction artistique du truc, elle est vraiment réussie. Hein. Je trouve que la ferme. C'est un peu tard, mais. Aouh! Mais comment il m'a lui? Alors attendez, il faut que je fasse le tour là. C'est une bonne idée de faire ça. Quoi? Mais comment il me touche? Bon, ils sont un peu teubés quand même, hein, là, le mec il est en train de... Merde, oh pff. Ouais mais attendez Comment ça marche ce bazar? Ah non, puis faut que je me refasse tout. Ah, ça va pas sauvegarder. Allez hop, voilà, couper en deux. On va en laisser un bout ici. Mais attendez, du coup, comment est-ce que je... Ouais, parce qu'ils sont un peu relous ces mecs là, avec leur combinaison. Ouais, la ferme, merci. Ah, je peux peut-être me glisser là en dessous. J'ai envie de dire pour me couper en deux, mais à quoi ça servirait? Ouais, voilà, ça me permettrait de me couper en deux, mais pourquoi faire? Je pense pas que ça me servirait d'avoir moins de vie, surtout vu... Mais faut se rappeler, en tout cas il faut se rappeler qu'on va pouvoir revenir ici. Mais ouais, effectivement, c'est presque plus un jeu de puzzle finalement. Avec des énigmes. Allez, vite. Aïe, mais vas-y, mais il m'a dit, il me tire dessus à travers le mur, comment il fait? Bon, là, quand il va se retourner. Pas du tout. Bah, on va se barrer, hein. Je crois que bah, après tout, je suis pas obligé de l'affronter. Et heureusement, parce que. Allez, la ferme. Tu vas me faire repérer. Il y en a un autre en plus. Zut, j'aurais dû prendre ce truc pour lui balancer dessus, mais. Ouais, attendez, on va attendre qu'il descende gentiment. Voilà, lui il est fait. Voilà, même si on peut pas le tuer. Mais voilà, c'est ça, on peut vraiment balancer, on peut leur balancer les trucs à la tête quoi, ça les tue aussi. Ah non, il est pas mort. Zut. Bon, tant pis. Bah, il va se relever, voilà, tranquille. Voilà, il est dans une bonne position. On va attendre qu'il arrive. Ah mais il vient pas jusqu'ici? Ah bah non, si. Elle vient. Ah, parfait. Allez hop. Casse-croûte. Voilà, donc lui il est pas content.
Mais il s'est pas monté aux échelles, donc normalement. Et puis même s'il servait, ça serait. En fait, ce serait même mieux qu'il sache monter aux échelles, comme ça il viendrait, puis. Ah, mais c'est vrai que vu que je suis petit, j'ai ce machin là. Voilà. Bon. J'en ai pas eu besoin, mais voilà, au moins comme ça lui. C'est réglé. Ah, je pense que j'ai activé ça à ma distance, mais apparemment pas. Faut vraiment faire gaffe, hein, parce que. Voilà. Il commence à devenir vénère, c'est. Ah bah tiens, bah voilà. Ça, c'est bien ça. Il commence à devenir vénère, les ennemis. Donc là, il y a un mec à gauche, mais je peux absolument rien lui faire. Lui non plus, donc c'est déjà ça. C'est ça de gagner. Y a un chemin là? Non. Est-ce qu'on est déjà venu ici? Le problème c'est que vu qu'on n'a pas de carte, bah. Vous allez me dire, il y a une certaine logique à ne pas avoir de carte, hein. Après tout, on est un monstre. Mais ça aurait quand même été pratique d'avoir une carte, je vais bien avouer que. Oula! Oula! Des lance-flammes maintenant! Attention, opération de tir. Faites attention à tir actif, fumée, danse, débris, j'ai pas le temps de lire, je suis en train de me faire cramer le cul. Vite dans l'eau. Ah oui, c'est bon, ça marche de se jeter dans l'eau. Où est-ce qu'il y a l'autre con? Comment il m'a vu? Mais comment il m'a vu? Mais j'étais sous le mur, comment il me voit? Comment il a fait pour me voir ce con? Allez hop là, voilà, je l'ai ramassé. Il est mort ou pas? Je sais pas, on le récupère encore un coup, voilà. Bon. Voilà, lui on est sûr qu'il est fait, voilà. Lui il est mangeable ou pas? Non, non plus. Bon, par contre là... Surprise! Ils ont pas l'air d'être trop... Ils ont pas l'air de vouloir se défendre. Ils ont compris que ça servait pas à grand chose. Voilà. Hop, casse-croûte. On pouvait péter cette TV, non, je crois. Ah non, on peut pas. Ah, tant pis. Hop. Attendez. Ah non, j'allais dire on est déjà venu ici, mais apparemment pas. Ah si, enfin oui, on est déjà... Ah, bah voilà, on a réveillé un drone. Bon, donc on a réveillé tous les drones. J'ai l'impression. Fun. Ça promet. On va essayer d'en bait un là en bas. Est-ce qu'ils nous suivent? J'ai pas l'impression qu'on puisse les... Qu'on puisse les aggro comme ça. Allez, vas-tu crever? Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, j'en ai désactivé un. Deuxième qui fait une ronde par là, dès qu'il passe on le ramasse. Enfin quand j'ai dit que j'en ai désactivé un, je l'ai pulvérisé contre le mur donc c'est pas la désactivation en douceur mais. Il a pas l'air de vouloir repasser par là. Le problème c'est qu'il y en a deux là-haut. Vite, vite. D'accord, donc il y en a un qui passe par là. Pas où il est. C'est celui-là, là. En fait, ils volent complètement au pif ou c'est moi qui... Merde. Non. Mais c'est impossible de les choper, comment vous voulez. En fait, ils volent complètement au pif, ces trucs. Pourquoi j'ai pas pu le ramasser là? En plus votre tentacule il est pas... Si on pouvait utiliser ses tentacules pour se battre aussi ce serait pratique parce que on a des tentacules gigantesques pour s'agripper au plafond mais on peut pas s'en servir pour se battre donc... C'est un peu dommage quand même.
Oh, ah là, lui. Lui, mais je voulais. Mais c'est injouable. c'est injouable, il y en a trois et c'est impossible d'attraper un truc. Il faut être littéralement à 5 cm pour réussir à choper quelque chose. Ah merde, puis la porte est fermée. Oh là là, je voulais passer en fourbe. Et la porte, elle s'est refermée. Non, mais génial quoi. Et je vais désactiver un, là c'est la panique. En fait, je crois qu'ils peuvent pas descendre là en bas donc. Allez hop. Allez toi, je te désactive aussi. Voilà, c'est bon. Pouf. Eh ben. Bah, c'est tendu hein. Ils sont tendus à abattre ces machins, c'est Bon, on a réussi, c'est le principal. Non, oh merde, il y a des gardes lance-flammes. Vite. Il y avait pas de l'eau par là? Alors oui, il y avait de l'eau, mais alors d'accord, donc en fait, quand on est cramé, c'est mort, quoi. Vous êtes, si vous n'avez pas de l'eau à porter, c'est foutu, quoi. On peut sauvegarder. Oui, on peut sauvegarder ici, parfait. Parce qu'il reste un point de vie, donc. D'accord. Donc les ennemis, ils sont, ok, ils sont sérieusement upgradés. Hein. Sous leur lance-flamme, ils ont une portée de 15 km. C'est. Mais là, il y a de l'eau. Oh, ils peuvent pas nous voir à travers ces trucs. Blanc, voilà. Allez hop, voilà, parfait. Est-ce que je peux le bouffer lui ou... Allez viens, ouais, voilà, parfait. Bon. Voilà, lui il est fait. Bon. La stratégie de foncer dedans comme un... comme un gros bœuf, bah ça a l'air de marcher. Ah bah là, parfait, un point de sauvegarde. C'est le deuxième de la zone, non, je crois. Ouais voilà, c'est ça. Allez. Ah, on va activer un laser là. Ah d'accord, on peut plus revenir en arrière. Bon bah tant pis. Ah. Et bah là j'avais pas le choix de toute façon. Ah mais on passe hein. Regardez moi ça. C'est épique. Non, par ça les animations, l'animation du machin elle est vraiment pas mal du tout hein. C'est, alors là franchement En fait, c'est ça la bonne technique, je crois. Parce que moi, je détruisais les machins en douceur et tout pour essayer de passer en silence. Mais non, c'est pas du tout la bonne technique. La bonne technique, c'est de foncer dessus comme un fou et de se faire quand même choper. Mais genre, mais c'est quoi ce vieux bug moisi là? Bon, bah, c'est pas grave. On peut récupérer de la biomasse ici, donc faisons ça. Genre je lui ai foncé dessus, et je lui ai sauté dessus à toute vitesse et lui, pff, s'en fout, il s'est retourné, il m'a tiré dessus. Maintenant du coup il sait que je suis là, mais bon, pas sûr que ça change grand chose. Ah mais là il peut pas me voir, on est d'accord. Oh, du coup quand il va se retourner, toi mon coco. Hop, voilà. Ah, il est encore vivant en plus. Ils sont coriaces ces mecs. Hein. Ouais, non, là, alors là. Alors, donc là, on a un machin de biomasse. Pour ouvrir cette porte, probablement. Ah, le levier qui est là. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Comme ça, on va pouvoir activer le levier qui est là-bas. Hop. Ah, et ça a refermé la porte derrière nous. C'est fourbe, ça. D'accord. Bon, bah, continuons. Oh, il y a une upgrade. Boum. Allez, vite, qu'est-ce que c'est? Ah non, je pensais que... Il me semblait que j'avais vu une alarme, mais... Photokinésie. Courber les rayons lumineux pour devenir invisible. Nécessite de l'énergie. Quoi? What? D'accord, donc ça a pas l'air de marcher du tout.
Ah, mais d'accord. D'accord. Donc c'est à ça qu'ils servent ces panneaux. On peut s'électrocuter le cul et ensuite. Est-ce que ça marche partout? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, on est carrément invisible, quoi. En fait, on met notre tentacule dans les. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. En gros, on met nos tentacules dans les prises de courant. Et du coup, bah après, bah on peut. D'accord. Et donc, je pense que ah, c'est comme ça qu'on doit pouvoir passer les lasers, du coup. Ouais, c'est exactement ça. Énorme. Ouais, sauf que ça me fait une belle jambe, mais à quoi ça sert? Ah, mais oui, je peux rouvrir ici, je suis bête. D'accord. On va récupérer notre biomasse. Mais attendez, est-ce qu'on peut aller à droite quand même? Non, on peut pas, on est d'accord. Donc attendez, voilà, là il y a un machin. On est déjà venu ici? Plein paumé les amis. Ah non, non, ouais, voilà, non, ça c'était le laser qui va l'entrée, d'accord, et maintenant on va pouvoir passer. D'accord, je comprends. Bon, c'est pas autant Metroid. Mais j'ai appuyé sur Q là. Pourquoi ça a pas marché? Genre, la différence avec Metroid, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est super linéaire. Hein. C'est-à-dire que, certes, vous devez trouver le. Vous devez trouver où aller et tout, mais beaucoup moins quand même. C'est pas une map géante où vous êtes perdu dedans. C'est très dirigiste, que j'ai quand même l'impression. C'est-à-dire que voilà, là je pouvais pas avancer tant que j'avais pas trouvé le pouvoir. Le pouvoir il était sur ma route. Pourquoi je peux pas me servir du. Mais non, mais regardez-moi ça, pourquoi c'est déverrouillé là? C'est quoi cette merde? Attendez, quoi? Pourquoi je peux pas me servir de mon pouvoir maintenant? Mais là non plus. Attendez, y a un truc que j'ai pas compris là. Pourquoi ça marche plus maintenant? Je suis full énergie pourtant. Attendez, quoi? Mais d'accord que c'est comme ça que je dois passer ici. Non mais Q ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Au moment où j'étais en train de vous dire ah bah finalement c'est super linéaire et tout, le jeu a dû se vexer. Il a décidé de faire péter son gameplay comme ça. Je peux plus. Attends, on va revenir en arrière parce que. Ah mais attendez. Je crois que j'ai compris. Ah mais d'accord c'est ça en fait. On peut pas se servir de ce pouvoir quand on est gros. Ce qui a un certain sens vu que bah on est énorme et donc du coup ça doit consommer beaucoup trop d'énergie pour réussir à être invisible dans ces conditions. Je me fais voir quand même parce que voilà mais faut que j'apprenne à m'en servir de ce truc parce que c'est pas. On est direct invisible en fait. On est totalement invisible à partir du moment où on laisse appuyer le bouton. D'accord. Bon on a pigé, c'est l'essentiel. Là j'étais bloqué dans le mur. Ah merde, mais du coup j'ai plus assez de. Est-ce que ça rend de l'énergie de faire. Ah non, mais de toute façon, il faut pas que je fasse ça parce qu'après je peux plus passer donc. Ah non, parce que quand on est gros, on peut plus servir du pouvoir donc. Allez, genre là, je. Ouais, bah oui. Qu'on recule. Heureusement qu'on se déplace vite quand même. Et hop, un petit coup de. De décharge. Non, c'est ça, vous voyez, c'est pas comme un Metroid où vous avez vraiment une map énorme, vous devez vous rappeler d'où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que vous devez aller et tout. Mais genre, mais. Là, c'est vraiment. Bah là, en fait, c'est. Vous récupérez les pouvoirs sur la route au fur et à mesure. Donc, c'est. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus linéaire. Et puis, c'est pas qu'une impression, c'est beaucoup plus linéaire. Par contre, ça intervertit les phases de combat et d'exploration quand même. Voilà, on a enfin réussi à passer. Ah, puis un point de sauvegarde là en plus, parfait. Ah, mais du coup, c'est bon alors, on a fini la zone. On a ouvert la porte, ouais, voilà, c'est ça, la zone suivante. Donc, du coup, maintenant j'imagine qu'on devrait pouvoir attendre la zone suivante sans trop de soucis. Baston!
Voilà, donc là, eux, ils sont bouffés. Non, merde. Je vais s'électrocuter un coup, là. Attendez, comment est-ce que je peux faire, là? Il y a deux mecs à lance-flamme, là. Lui, s'il se retourne, normalement, je devrais réussir à me le faire. Voilà. Voilà, lui, maintenant, je les bait ici. Voilà. Parfait. Bon. Donc là, il n'y a rien d'autre. Ah, mais voilà, on est revenu au point de départ. Ah oui, par contre, ouais, on est revenu au point de départ. Le problème, c'est que je suis gros maintenant. Donc il faut que j'aille me couper en deux à un endroit. Ah bah voilà, c'est à ça. Ah bah voilà à quoi elle servait cette zone. C'est des malins. Voilà, comme ça je vais pouvoir traverser tranquille. Et c'est pour ça qu'il y a ces panneaux électrogènes aussi maintenant partout dans cette zone. C'est... Ah ouais, non, mais c'est... Je dois avouer que je m'attendais pas à ça, mais... Tout a du sens, du coup. Allez, viens là, toi. Hop. Pourquoi elle m'a pas rendu de vie? C'est quoi cette arnaque? Remboursé? Ah, voilà, j'ai désactivé définitivement le laser. Du coup, je vais pouvoir aller sauvegarder. Récupérer toute ma vie. Voilà. Ah non, ça m'a pas rendu toute ma vie. Il faut que je remonte là-haut. Récupérer ma boule de biomasse, là. Enfin, normalement, est-ce qu'elle est toujours là? Oui, si, elle est toujours là. Allez, viens là, hop. Ah, trop grosse. Allez. Voilà. Ah merde, bah attendez, je vais en profiter pour reprendre de l'énergie aussi pendant que je suis juste à côté. Là, j'aime bien ce nouveau pouvoir, c'est marrant aussi. Non, pour l'instant, c'est assez cool. Hein. Le jeu est vraiment sympa. En tout cas, il y a une ambiance évidente. Jardin botanique, sécurisé. Bah, plus beaucoup. Hein. Boum! 66%. Ah bah vous voyez, unité de confinement, je pense que ça doit être des salles secrètes qu'on doit pouvoir... que j'ai dû rater du coup. Ah non, ça devait être l'endroit où j'ai dit que je pouvais pas passer encore. Par contre la grande question c'est où est-ce que je dois aller maintenant. Quoi? What? Je me suis fait expulser par... Attendez, là-bas c'est toujours fermé, allez, d'accord. Voilà, là y'a toujours rien. Là y'a toujours rien. Je me suis fait expulser par un sas là, mais j'ai pas compris comment. Bah écoutez, les amis, ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a terminé la zone. Ah oui, non, là il y avait un sas, je l'avais même pas vu. Je veux dire, on a terminé la zone donc. Ça me semble pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue ça la prochaine fois, qu'on aille essayer de découvrir où est la zone suivante la prochaine fois. Pas par là, on dirait, mais... Parce que là, je retourne... Ouais, non, là, je retourne en arrière, là. Attendez, mais ce bouton-là, il a activé quoi, déjà? Je suis complètement perdu, mais c'est pas grave. Ouais, non, donc là, il y a vraiment rien à faire. Hein. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir aller ailleurs. Là y'a rien, c'est tout fermé. Donc là en bas y'a rien. Là c'est fermé. Là c'est fermé. Fermé. Bah non, bah je pense qu'il faut revenir en arrière. Bah je pense qu'avec mon nouveau pouvoir je vais pouvoir faire quelque chose d'autre. Ah mais oui, ici. Évidemment. Enfin évidemment. Je me souvenais plus qu'il y avait un truc ici. Mais enfin voilà, du coup maintenant on sait comment. Ah mais voilà. Et voilà comment on passe. Voilà comment on passe là-dedans. Parfait. Ah, c'est même une salle de sauvegarde et tout, d'accord. Ah non, c'est une de ces salles de TP là. Parfait, bah comme ça les amis, la Leviathan Reef Base. Donc le récif du Léviathan. Ce que je vous propose c'est qu'on découvre ça la prochaine fois, on va faire une petite sauvegarde.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, d'ici la prochaine, surtout, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.